Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur la campagne solo de Portal 2 dans sa version PC. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve exactement où je vous ai quitté la dernière fois. On est dans l'incinérateur après avoir fait concrètement le prologue du jeu, on s'est réveillé. On a rencontré un personnage chiant qui aime beaucoup parler. Et après 2-3 tests, on a réveillé GLaDOS qui s'est dit: tiens, puisque vous êtes là, si on faisait des tests. Et nous a dit: bon bah maintenant, allez là-dedans, récupérez le générateur de portail. Écoutez, bah c'est ce qu'on va faire. Et avant de commencer, je rappelle que vous pouvez installer le mot Epic et les fails, sinon on est avec les hashtags Epic, EPIC, hashtag fail et fail, plus sur mon Linux, que vous voulez que j'ajoute à la compile sans plus tarder, en avant-marche. Donc il va falloir qu'on esquive ça. Non, brûlez pas les Companion Cube, c'est mes copains. Jure. Ouais, donc on passe en mode tranquille ou mode... Oh, regardez. Et en plus, c'est l'endroit, regardez, c'est l'endroit où on finit le 1. Là on nous dit il y aura voilà, du gâteau. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. On a les deux. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Ok. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Oh là là, j'ai la tristitude. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, ouais, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains. Encore j'ai rien encore. Fait. Je fais des vous idées, savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Mais toi tu vas pas le faire parce que t'es quelqu'un de bien, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Oh, ça va. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Évidemment. Et là voilà, on est dans la dernière... Vous savez, c'est la dernière salle de test, c'est la salle 19 dans le 1. Bon, qui est dans un sale état. Et du coup, je crois qu'on est en train de remonter la zone de test dans l'autre sens. Voilà. La 19. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu. Non, je suis pas revenu, je voulais me barrer. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Après ça, qui sait? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Non mais l'autre, eh. Genre tu fais de la nécromancie en total casu, mais c'est pas un RPG ici, nom de Zeus. Bon. Maintenant qu'on a les deux portails, on va s'amuser. Est-ce qu'on pourrait avoir de nouvelles mécaniques? Parce que pour l'instant, on a des puzzles relativement simples. Tu m'apportes light, tu voilà. Chapitre 2, démarrage à froid. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Non mais l'autre... Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. C'est legit en tout cas. Oui. D'accord, on fait un laser... Ah bah, c'est relativement simple. Bah, tu mets un portail sous le laser, puis t'en mets un au-dessus du truc, et normalement... Plup. Ah ouais, mais attends. Parce qu'il faut que je grimpe sur la plateforme. Et qu'ensuite, je mette le portail ici. Comme ça, tu peux grimper et bouge, t'as vu, c'était trop facile ce test. C'était trop facile ce test. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Mais oui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite modif au niveau des sous-titres. J'ai dégagé les sous-titres de bruit, de tir, tout ça, parce que ça devenait chiant. On va se concentrer simplement sur les dialogues. Ça suffira largement. Largement, largement. Allez, est-ce que tu as un vrai puzzle pour moi, GLaDOS? La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Des cubes anti-découragement, moi je connais les cubes avec le cœur, tu vas voir que c'est ça. Il doit y en avoir dans le coin. Dans le coin, comme dirait le canard. Alors... On va commencer par sauter au-dessus du rayon laser, donc le laser nouvelle mécanique. Ok, faut qu'on aille récupérer le cube, il est ici. Cube anti-découragement, c'est ça. Ok, puis ils ont une particularité, c'est qu'ils reflètent le laser. Donc l'idée est simple, on le pose dans le rayon du laser. Et hop. Ça crée un escalier vers la suite de la salle. Ah, puis en plus de ça, attends. On va faire un petit portail ici, voilà. Bravo. Pour le poser là-dessus. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué.
quelqu'un d'affreux. Mais genre, les tests ne portaient même pas là-dessus. T'es en train de me dire que tu as falsifié les résultats du test. C'est inacceptable. Je sais, ce mot n'existe pas. Inutile de me le mettre dans les commentaires. Merci. Ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. C'est rassurant, dis donc. Salle 3 sur 22. Apparemment, il y a 22 salles maintenant. Ok. Alors, quel est le but? Bah déjà, faudrait... J'ai remis tout ça en place. Il faudra aller récupérer ce cube là-bas. On va commencer par faire bloop. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il faut mettre un rayon là. Attends, En fait, il faudrait... Tac. Comme ça. Et ensuite, il faudrait dévier le rayon par ici. Non, en fait, ce serait peut-être... Ce serait peut-être plus malin de prendre ça. De le mettre ici. Ensuite, je vais remonter. Et de là, prendre le rayon qui est là et le mettre ici. Non ? Ah merde, mauvais. Comme ça. Félicitations. Voilà. Pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Non mais tu dis que je suis gros là, espèce de bonnet. Tu es gros athlétique, mais je te fais tes puzzles en 3 secondes et demi, bitch. Bitch. Attends, on met l'autre quoi. Comment il se fout de ma gueule? J'ai pas passé je sais pas combien de temps en cryostase pour qu'on me troll, madame. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Allez, salle numéro 4. Un instant. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... faire ce que vous voulez. À part détruire le centre. Moi, je veux me barrer. Ok. Bon. Bête déviation de rayon. Mais bon, il n'y a pas que ça. Ouais, il y a un truc mouchouette. Il y a un bouton à aller actionner. Faut probablement mettre un truc sur cet interrupteur là-bas. Ah oui, mais attends. Wait. On va faire ça comme ça. Ouais, je vais aller appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton? Ça envoie un cube. Oh, merci pour le cube. Attends. Je crois que je sais. Il faut que je le fasse d'ici. Donc on fait blip. Et ah mais attends, oui. Ouais voilà, merci cher canard. Le problème c'est qu'il faut que je repasse dans le portail pour ça. Faut ça comme ça ici. Parce que le truc, voilà, c'est qu'il faut que je passe comme ça. Ah ok, il faut simplement que je renvoie le bleu. Le bleu en mode blip. Et là, je peux passer sur la plateforme avec le cube pour passer à la salle suivante, mesdames et messieurs les gens. Ça devrait être facile. Genre, t'arrives en mode youhou. Puis en plus, tu peux te servir du cube comme moyen de protection contre ABB, évidemment. Faut pas. Vous m'avez écouté, j'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Je t'emmerde. Je suis sûr elle dit ça même si vous finissez le puzzle en 10 secondes. Genre vous avez été lent, t'as mis 10 secondes. Mais écoute, dude. Enfin, bitch plutôt, parce que voilà, c'est une madame. C'est une madame. Bon. Salle suivante, salle numéro 5. Vraiment, tu nettoies ce bordel, hein. Alors qu'est-ce qui m'attend ici? Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. D'accord. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Ok. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Bah, j'ai envie de dire on va tester, hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ça envoie un cube. Est-ce qu'il faudrait pas que je le chope en l'air? Attends, je vais tester. Loupé. On va réessayer. Go. Voilà, on chope le cube en l'air et pouf! Sur le bouton. Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air.
il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle, que nous assainissons et réinjectons. J'ai eu assassinons en fait, quand même. Vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Non. Et attends, si tu me trolles, j'ai le droit de te troller en retour, bitch. Voilà, donc on commence à découvrir tout doucement les nouvelles mécaniques, les cubes d'anti-découragement avec les lasers, les plaques de foie qui nous permettent de faire des trucs en l'air, mais il y a encore passons d'autres trucs très suivant. Sympas. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Quoi, avancées? Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Ok. Alors, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre, pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. C'est bien, je m'en bats les couilles, frère. Ok, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Je pense qu'il va falloir qu'on prenne toutes les plaques en mode... Oui. Il faut qu'on fasse des portails pour continuer jusqu'au bout. Et hop. Alors si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça fait? Ok, il y a un bouton là-bas. Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Ah, tu m'aides pas, bitch. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et non. D'accord, on va savoir. Ah d'accord, maintenant il y a une boule. Tâchez eh ben, on va se faire livrer une boule. Sur vous. Il faut qu'on la chope au vol. Attention. Les déchets ne se prêtent pas au test. Ce sont des déchets. Appuyez ouais. Encore sur le bouton. Attends, oh d'accord. Si tu veux, hein. Ah, puis ça fait tomber un cube cette fois. Ah, mais la boule, j'aimais bien la boule moi. Attends, reste ici la boule. La boule, le gong. Ça m'a chopé le cube au vol. Merde, j'ai perdu la boule. Lol. Bah, du coup, attends, je peux mettre un portail ici. Yes. Et je peux en mettre un... ouais, là-bas. Attends, comment je reviens si je tombe ici? Attends, là comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis là, tu mets le cube et... Oui. Et parfait. Énigme résolue en 3 secondes. Quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité, c'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Ouais. Désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. Mec, ta gueule là. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Ouais, on en parle de toi, carouillé pendant je sais pas combien d'années dans ta salle avec la nature, hein. Tu crois vraiment que t'es bien placé pour me traiter de déchets, madame? Je suis pas convaincu. Le saviez-vous? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises, car elles... Évidemment, tout à fait, je suis d'accord. Pardon, ouais. Je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Allez, salle numéro 7. Donc on commence un peu à mélanger. Donc on a un cube normal, il faut un cube anti-découragement quelque part. Et oui, alors... Attends, je vais tester un truc à la con. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Pas gentil, ça. Désolé. Rends-moi le cube. Retournez en prendre un autre. Et si je le mets... Oh, zut. Je l'ai détruit aussi. C'est pas gentil. Pas grave. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrassez. Ok, attends, si je mets ce truc-là ici, ça fait quelque chose. Ah. Hey, je t'ai vu, Whitley. On va le bouger avec des portails, voilà. Ça permettait d'activer l'ascenseur, très bien. Alors, qu'avons-nous ici? Maintenant, il faut qu'on se rende là. Oh, bon, ce sera le plus simple. Simplement une expérience de conservation d'énergie, donc il faudrait qu'on se mette ici. Et qu'on fasse un YOLO! Ah oui, mais il nous faut. Attends, il nous faut le cube en fait! Bon, bah, je vais retourner le chercher, hein. Je passe en mode bloop. Voilà. Et maintenant, il faut que je repasse à travers pour pouvoir le poser. Donc, je pense que là, l'orientation est pas dégueulasse. Ouais, nice! Et du coup, on pose ça ici. Et on met le portail bleu là. Et on refait un. YOLO! Et pouf! C'est fini. Attends, c'est fini ou il y a une deuxième section? Chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Attends, je vais chercher le cube. Je vais chercher le cube, y'a pas de problème. Attends, est-ce que je peux aller chercher le cube au moins? Bah oui, remarque, attends, j'ai deux portails. C'est un portail là en bas. Écoute, si tu me dis que je peux emporter des trucs, bah je vais le faire.
Voilà, je prends un cube avec moi. Ah bon, c'était trop beau. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Ouais, bon, ça va, hein. Tu te fous pas de ma gueule encore une fois. Je suis sûr qu'il y a un succès à gagner avec ça. Je l'ai peut-être déjà gagné dans ma première partie, je suis en train de me dire. Mais bon. On continue. On continue. La salle 8, je crois, ou 9. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous avais parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. Ok, donc maintenant il va falloir passer derrière ces trucs. Et ces machins ont une petite particularité. Tout ce que vous essaierez d'embarquer se fera détruire. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Vas-y. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Ce troll. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Ok, alors maintenant, voilà la difficulté. Il va falloir faire passer des choses. En gros, il va falloir transmettre le rayon laser qui est là-bas. Mais si je tire un portail, vous voyez que le portail est arrêté par la grille. Et il faut que ce rayon arrive ici, avec probablement quelque chose qui est là-dedans. Je pense qu'on va faire dans un premier temps, si on va passer la grille. On va appuyer sur le bouton pour faire descendre un cube anti-découragement. Et en fait, on va utiliser cette zone qui nous permettra de passer entre les deux trucs. Donc on met un portail à travers ici et un portail de l'autre côté. Ça, je récupère le cube. Je vais de l'autre côté. Je mets le cube là et je fais demi-tour à travers les portails et pouf! Ça fait des chocs à pic. Rien de bien compliqué. Vous allez voir que par la suite, ça risque de devenir un petit peu plus rigolol. Pas rigolo, rigolol. C'est le niveau au-dessus de rigolo. C'est tu rigoles et tu rigolol. Allez hop. Genre tu rigoles, ah mais tu rigolol, ha ha ha. Putain, oh non plus. Chapitre 3, retour, t'as déjà le chapitre 3 donc. Même pas une heure de jeu, je suis déjà au chapitre 3. Y a un problème. Salle 9. Enfin, comme si j'avais rien vu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a une plaque de foie. Si vous pouvez finir de construire la salle avant que j'arrive, ce serait bien, les gars. Ok, donc il y a un portail là-haut. Pas sûr qu'il serve à quelque chose, mais je vais placer quelqu'un un truc. Je vais prendre la plaque de foie, on va voir ce que ça donne. Hé, c'est moi! Bien. Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Ok. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Voilà, essayez voir. Oui! On sait jamais ce qui est arrivé, j'étais là, par terre, vous pensez que j'étais fichu? Non mais ta gueule, Whitley. Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre... adiposité. Non mais genre, elle me traite de gras, quoi. Vous avez un maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Connasse. Essayez donc. C'est genre, adiposité, si vous connaissez pas les tissus adipeux dans le corps, c'est les tissus gras. Donc je viens de faire me traiter de gros tas de graisse. Et genre, allez, au coup, on augmente de centaines de kilos parce que je suis une connasse. Bon, bah, let's rock'n'roll, hein. Oui! Tac, un oiseau dingue, non? Et donc, vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Non, mais espèce de salope. C'est bon? Comment je me fais troller, mais de manière assez énorme. Oui! Voilà, puis là, je passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre un rayon. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, là, c'est la sortie. Très bien. Ah, puis évidemment, j'ai besoin d'un truc. Donc, il faudrait... Attends, je crois savoir ce qu'il faut que je fasse. Faut que je mette un portail ici. Et que je réutilise la plaque de foie. C'est ça qui va me propulser. Donc, on met un portail au rouge là. Et normalement, en prenant la plaque de foie, on peut faire... Oui! Voilà. On est au bon endroit, mais... Ah d'accord. Ici dans un premier temps et on remet ça pour aller activer le bouton puis on remet là. Ouais, faut qu'on passe sur. En fait faut qu'on passe sur chacun des trucs. Je pense que dans l'ordre il faut qu'on mette un portail ici pour aller là. Bah, là où est activé le bouton. Ensuite on va là pour récupérer ce qui tombe. Je pense que ce sera un cube et ensuite on mettra le cube là et on utilisera les deux portails de part et d'autre du mur pour activer le rayon et normalement monter vers la victoire. Je pense que ça doit être ça donc on va mettre ça en pratique. Attention. Voilà donc on appuie sur le bouton. Ça fait tomber un cube anti-découragement.
on remet un cube bleu, hop, on revient dans notre position initiale. On récupère le cube cette fois-ci. Cube que nous allons placer comme ceci. Le tout étant de dévier le rayon vers le mur. Je dis de dévier le rayon vers le mur. Comme ceci. Ensuite on met un rayon du côté là. Et l'autre de l'autre côté en face. Voilà, pour que ça fasse... Pour que ça ait l'effet escompté. Ah mais attends. En fait je crois qu'il faut le laisser comme ça. Il faut faire encore un transfert d'énergie. Donc on met un portail bleu ici. Il faut qu'on remette le portail orange là. Donc un petit coup avec la plaque de foie. On soit à côté de la porte. Quelle classe. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Hop. Portail bleu. Et de l'autre côté portail orange. Voilà et normalement ça ouvre la porte. Et nous y sommes. Tranquille. Tranquille, où je peux avoir mon ascenseur SVP. Merci beaucoup. Ça fait zizir, poteau, t'assures, hein, poteau, top, cool, peace, flex, tout ça, on s'appelle, on se fait une bouffe. Bon, 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 bon. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Le cerf est un mensonge. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Bah je sais pas, la dernière fois que tu m'as parlé d'un truc bien, c'était du gâteau et c'était du bullshit. Je supposais que le cerf, c'est du bullshit. Allez, salle 10. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, oh, bonne mère. Ok, alors déjà, il y a un rayon laser. Est-ce qu'il faut le rediriger quelque part? Déjà, il faudrait pouvoir aller récupérer le cube qui est là-bas. Moi, j'aurais tendance à dire on crée un portail là-haut, on en crée un en bas, et pendant la chute, on recrée un portail bleu. J'avais pas vu la plaque de foie, dis donc. Ok, donc on fait en mode... Hop. Voilà, comme ça, je récupère le cube, merci. Ah, attends, là, je dois pouvoir le mettre donc en faisant blip. Et blup. Moi, je peux descendre en mode tranquille ou poète. Voilà. Alors. Maintenant que j'ai fait ça, quel est le FUC? C'est un truc qui doit descendre là avec un bouton qui est situé tout en haut. Il faudrait qu'on puisse accéder tout en haut. Oh, d'accord, je viens de voir les plaques de foie qui sont ici. Comment tu y accèdes à ces plaques de foie? Je vais tester un truc. Si je mettais le cube sur la plaque de foie. Ça pourrait me servir à dévier le rayon. Attendez, je vais tester. Si je mets le cube là-devant. Ah, d'accord. Ok, je crois que j'ai compris. Donc on laisse le cube ici. Et en fait, je crois qu'on va enchaîner les plaques de foie pour atteindre le sommet de la salle. Si j'ai bien compris, normalement on devrait rebondir sur celle-là, puis sur celle qui est au mur. Puis on arrive ici. Ok. On a un niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait tomber un cube anti-découragement. D'accord. Et on le reçoit. Eh, mais attends, j'ai compris. En fait, il faudrait que je redescende d'un cran. Ok. Ah mais le problème c'est qu'il faut que je redescende avec le cube anti-découragement pour amener le rayon au niveau supérieur. Je crois que c'est ça. Donc. Je vais remonter, prendre le cube anti-découragement. Je pense que c'est ça en fait. Viens ici le cube anti-découragement, faut que je redescende d'un niveau. Peut-être redescendre par ici, ce sera peut-être plus safe. Parce que le but ça va être d'amener le rayon là. Donc, je vais mettre un portail bleu ici. Et le portail orange, je vais le mettre sur ce mur là. Bah normalement c'est ici que doit arriver le rayon si je le détourne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Là, je vais avoir besoin du cube, attends, ici. Si je le mets, il faut qu'ils en plus sur cette petite partie de la plateforme. Ouais, je vais avoir besoin de ce cube là. Toi tu bouges pas. Je vais mettre le cube là comme ça, voilà. Et maintenant, on se refait un vol plané, mais avec le cube cette fois. Enfin, je sais pas si le cube... Ouais, le cube risque de me servir, mais je vais le prendre avec. Allez. Youhou!
Boing. Pour atterrir là-dessus et appuyer sur le bouton. Et bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas c'est vu pas le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Enfin voilà. Elle était sympa cette petite salle quand même, hein. Ouais, c'est pas souvent qu'on réfléchit en vertical dans ce jeu. Allez, je pense qu'on va le temps de se faire encore une petite salle de test pour aujourd'hui et on devrait s'arrêter là. Ça sera pas mal pour ce deuxième épisode. On aura fait 11 des 22 salles. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a encore des trucs. On est qu'au chapitre 3, il y a 9 chapitres. Je pense pas qu'on avance aussi vite par la suite, hein. Vous en faites pas. Les salles de test difficiles arrivent. Là, pour l'instant, elles sont relativement évidentes. Salle 11. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Voilà. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Ouais. Non, voilà, nouvelle mécanique de ce jeu, les ponts de lumière. On va dégager la caméra parce que je les aime pas. Voilà. Et ça va être... Alors, cela va être très simple. On va mettre un pont ici. Ah là, voilà, ça va dévier le pont. Pour aller appuyer sur l'interrupteur. Et de là, il va falloir qu'on revienne. Et ça fait quoi? Non, ça a fait quoi? J'ai pas vu, d'accord. Ah, ça fait tout. Attends. Ah oui, mais je peux rien faire, moi, de là. Je peux pas passer par au-dessus, par en dessous. Attends, je vais tester quelque chose. Est-ce que je peux mettre un portable ici? Ah mais je tombe! Merde! Ok, j'ai toujours du mal avec ces saloperies de mémoire. Il me faisait déjà chier la première fois que j'y suis passé ou quand j'avais testé le multi. Et je pense qu'ils ne vont pas déroger à la règle. Ok, donc je suis ici. Remarque, c'est vrai que... je pourrais me contenter de revenir par ici, ce serait plus simple. Ok, alors maintenant... Il faudrait que je puisse atteindre cette zone là-bas. C'est très simple. On crée un pont comme ça. C'est aussi simple que ça. Et en appuyant sur ce bouton ici, que se passe-t-il? Attends, je peux pas redescendre. Et j'ai toujours pas chopé de cube. Y'a vraiment aucun moyen d'aller choper. Ah oh, mais attends. J'ai une idée à la con. Si... Je peux créer un pont en bas. Je vais aller voir. Oh mais attends, je peux passer derrière. Ok, il y a toujours les mecs parano dans le centre de test. Ça n'a pas changé. Il doit me manquer encore une fois un détail. Il faudrait que je puisse le choper quelque part. Sauf que là, je peux pas. Là, je peux pas non plus. On va faire demi-tour. Il doit y avoir moyen en plaçant un truc. Attends, je vais tester un truc à la con. Ah évidemment, le seul truc où je pensais pouvoir le mettre, je ne peux pas. Donc si je le mets ici, ça c'était une idée de merde. Je répète, c'était une idée de merde. Comme on dit dans le jargon, bien sûr, c'était une idée un peu toute pourrie. Donc... Il y a ce machin là qui tombe, faut qu'on récupère le cube pour l'amener là-bas. Et si je crée mon truc là, ah non, c'est bloqué. Ok, ça confirme ce que je pensais. Où qu'on le mette, attends. Ah bah voilà. Attends, je vais le remettre ici pour qu'on puisse repartir. Et du coup, si je remets un pont ici, normalement, on doit pouvoir accéder au fond et tenter de les intercepter. C'est bon, je crois que j'ai compris. C'est bon. Je compris. En fait, je me demande s'il faut pas avoir une mort volontaire ici, non? Attends, je reviens ici. De ce côté-là, je mets un portail bleu ici. Je reprends mon portail. En fait, je crois qu'il faudrait que je saute. Ah, c'est presque ça. Ouais, que je saute pour pouvoir aller atterrir sur le pont, récupérer le cube et le ramener. Je me demande si c'est un truc comme ça, je pense. Donc du coup, peut-être le mettre un peu plus à gauche. Donc on repasse comme ceci.
mettre là. Ouais, c'est pas mal ici, c'est pas mal. On va tester. Je me demande si je suis pas en train de me compliquer inutilement la vie quand même. Voilà. Et là, non, reviens ici. Attends, je te chope au passage, toi. Et je peux grimper. Et je reviens avec le cube. Et maintenant, il y a juste à mettre un pont ici pour aller placer le cube sur l'interrupteur. De là, pour assurer, je vais créer un pont juste là. Et maintenant, il faut que je repasse de l'autre côté pour valider le test. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos points. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Ah non, mais l'autre, comment elle me troque. Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite. Je suis pas d'accord. Mais bon, je vous avais dit qu'on s'arrêterait ici après ce test, c'est ce que nous allons faire. On se quitte donc ici pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Portal 2. Pardon. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Pas non plus à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler la chaîne autour de vous si le courant est tout ça, vous le savez, la petite notification, ça fait plaisir. Les mots épiques et les failles, les HKS aussi, vous connaissez la musique. En attendant, la suite de nos aventures dans Portal 2, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.